On contrôle systématiquement tous les restaurants ou les commerces de bouche de Drancy. Donc déjà dans un premier temps, on va contrôler tout ce qui est documents obligatoires. Donc ça va de la formation du personnel au niveau des normes d'hygiène alimentaire. On va contrôler leur inscription à la DDPP et puis tous les petits documents obligatoires tels que le planning de nettoyage et de désinfection, la prise des températures, les contrats de maintenance, que ce soit pour la dératisation ou bien pour aussi les maintenances des vitrines et des chambres froides, etc. Notre travail consiste à veiller à la santé des Drancéens. Un contrôle d'hygiène, c'est effectivement d'aller vérifier en fait tous les éléments qui sont dictés par la loi. C'est-à-dire un certain nombre de règles à respecter, et il y en a quand même beaucoup effectivement aujourd'hui. Ça engendre aussi d'avoir des sociétés, des fournisseurs spécialisés dans les domaines de dératisation, nettoyage des hottes, et puis aussi l'enlèvement des graisses. C'est important de ne pas mettre ça n'importe où. Et dans un restaurant comme le mien, l'hygiène, c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est à tous les instants qu'il faut vérifier l'ensemble des éléments. Dans le cadre où on respecte tous les éléments et qu'on est sûr de soi sur l'ensemble de ce qu'on fait, c'est très positif, c'est apporter même un plus au restaurant, une valeur ajoutée, je dirais, et rassurer en fait l'ensemble de la clientèle sur la qualité des produits qu'on leur met à disposition dans l'assiette. C'est un gage de sécurité, tout à fait. Ouais.